objet Sigma approche de l'antre de Minerve. Il ne doit pas atteindre le penseur. Faites sauter le tunnel. Sujet Sigma, tu m'entends? Je m'appelle Porter, Charles Milton Porter. Le docteur Tenenbaum me dit que tu vas nous aider à faire sortir le penseur de rapture. Ce ne sera pas facile, mais le jeu en vaut la chandelle. Tu devrais pouvoir entrer par un sas. Voilà un certain temps que l'antre de Minerve est coupé du reste de Rapture, mais pas pour les chromosomes. Reste sur tes gardes. L'antre est plongée dans le noir, mais si tu relances le générateur de secours, je pourrai remettre le courant d'ici. Monsieur Porter, je tiens à être le premier à vous féliciter pour la fondation de Rapture Central Computing. Et bien que Ryan Industries soit votre principal client, je ne veux voir personne parler de favoritisme, ou pire, d'institution publique. Votre société est privée, libre d'entreprendre tous les partenariats commerciaux voulus par le marché. Les mains posées sur la grande chaîne ne font que la renforcer. J'ose espérer que nous choisirons de faire avancer. Que vois-je dans l'antre de Minerve? Le dernier jouet de Porter. Il veut s'accaparer le penseur. Mais vois-tu, mon ami, c'est moi que la machine a choisi. Ridwall. J'ai fondé Rapture Central Computing avec lui. Mais ce salopard cupide m'a mis dehors il y a des années. Les chromosomes, la sécurité, c'est lui qui dirige l'antre de Minerve maintenant. Nous sommes partenaires, mais ils gâchent le potentiel de la machine. Les capacités de traitement du penseur sont incroyablement rapides et flexibles. Dans mon temps libre, je l'utilise pour prédire les résultats de baseball, et c'est vraiment très précis. Et si on appliquait ces équations au marché de rapture? Cette machine est une poule aux œufs d'or. Regarde-toi, Sigma. Tu crois que Porter est ton allié, mais le penseur n'est pas dupe.
Le penseur, c'est... Le docteur Cobra. Que deviendrait Arthur sans l'automatisation? Depuis les portes à ouverture automatique jusqu'au tube pneumatique, Arthur Central Computing vous simplifie la vie. Le courant est redirigé. Ça devrait nous aider dans notre mission. Dirige-toi vers mon bureau, dans l'aile de la direction. J'ai quelque chose pour toi. Vite. Quel est le secret du succès de Rapture Central Computing? Le calculateur le plus puissant et sophistiqué au monde, le penseur. Monsieur Ryan m'a embauché pour construire un calculateur capable de faire fonctionner une ville entière. Le réseau opérationnel de données informatisées normatives. Les gens l'ont surnommé le penseur. Encore une fois, c'est la puissance de l'Adam qui permet au calculateur central de traiter les données à la vitesse de la pensée. En d'autres termes, il pense pour nous. Oui. Et grâce au processeur de raisonnement indépendant, ces robots de nettoyage ont aspiré tout un tas de trucs avant de griller. Ouvre-en un, tu y trouveras peut-être ton bonheur, qui sait. Nous ne sommes qu'à... Farandole des prix. Cette saleté de porte est encore en panne. Il y a bien quelqu'un dans le coin qui avait des outils de maintenance. Jette un œil dans la salle des machines de l'aile de la direction. À cette équation cristalline qui détermine la totalité des phénomènes.
Et moi qui pensais connaître sa vraie fonction avant. Moi qui pensais que dans l'histoire, c'était Porter, l'idiot. Alors que c'était moi, l'idiot. Tout ça, c'est terminé. Cet outil de piratage devrait être utile. Retourne à mon bureau. L'antre de Minerve est à moi. Tu crois que tu peux te frayer un chemin jusqu'au penseur? Mais je t'en prie, essaie d'en. C'est tous les jours que le penseur fait vivre Rapture. Aiguiller les trains, le penseur. Faire aboutir vos appels, le penseur. Rafraîchir l'air ambiant, le penseur. La machine la plus essentielle de Rapture. Les chromosomes de Wall n'ont pas encore atteint mon bureau, grâce à la sécurité du penseur. Je vais te donner un accès exclusif. Bien, je lance le scanner. Scan en cours. Référence nominale, Sigma. Approche-toi. Désolé de ne pas être là pour t'accueillir en personne. Tu as vu dans quel état se trouvait l'antre de Minerve. Tout ce qui compte, c'est le penseur à présent. Il faut que tu te rendes dans le noyau du calculateur pour imprimer le code machine du penseur. L'accès au noyau se fait par le service de l'exploitation dont la carte d'accès est cachée sous mon bureau. Récupère-la et va au service de l'exploitation. C'est fini, l'ami. Et maintenant, tu vas t'accoquiner avec ce traître pour me voler le penseur. Il faut faire disparaître ce Sigma de l'équation. Penseur, déploie les défenses du bureau. Ah, Wall. Il a
avait un véritable don pour les chiffres. Nous avions la même vision des choses avant. Mais les plasmides l'ont rendu fou. Ils nous tueraient tous les deux pour garder le penseur ici. Cette première année à Londres, à travailler pour Turing, on ne se voyait pas trop avec Pearl. On venait de se marier. J'étais insouciant. Je passais mes jours et mes nuits dans un bâtiment du gouvernement à construire un calculateur capable de prendre la machine Enigma en défaut. Pearl était au bout du rouleau. Mais j'étais aveugle. Et puis, un soir, alors que je travaillais, les bombardements ont commencé. Le lendemain matin, je suis rentré. Mais il ne restait plus que des cendres. Rien que des cendres. L'ordinateur central de Rapture Central Computing effectue plus d'un million de calculs par seconde. Un avantage non négligeable. Le Lancier. C'est le protecteur le plus sophistiqué jamais créé à Rapture. Il te sépare des petites sœurs. Et s'il y a bien un endroit où tu auras besoin d'Adam pour survivre, c'est dans l'antre de Minerve. Sigma se lève et se dévoue, hein? Un sacrifice inutile aux yeux de l'omniscient penseur. Désolé, l'accès au calculateur de Rapture Central Computing est réservé. Mais vous pouvez toujours admirer le chef-d'œuvre de Baudin qui lui a donné son nom. Venez voir le penseur. Fais ce que tu veux des filles. Transforme ton corps avec la dent. L'équation parfaite du penseur a calculé toutes les possibilités. Ça pique juste un tout petit peu. N'aie pas peur, petit. Tu essaies de voler ton employeur. Fais ce que tu veux que je demande. Tu essaies de voler ton employeur. Démissionne. Tu essaies de voler ton employeur. Quoi? On avait que tirer et il est le meilleur de tous les Monsieur P. Thank you.
Tu vois, il y a de la dent. C'était ton nom, le penseur. Le penseur, pourquoi? C'est tout prêt. Des bulles. C'est du matériel très fragile. Parasite. Ah. Mon sœur. Tu le fais. J'essaie de filer avec méthode. Attention. Si tu continues, Monsieur Pei va te donner une belle leçon. Maman, ça fait combien 7 fois 12? Ne me le demande pas à moi, voyons. Demande-le plutôt au tuteur informatique. Chérie, c'est moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette bonne odeur? Surprise! Le chef automatique a préparé ton plat préféré, une cassolette de thon. Et je n'ai même rien eu à faire. Super! Merci, maman. Ne me remercie pas. Remercie McLendon Robotics. Que peut faire McLendon Robotics pour améliorer la vie de vos clients? Prenez rendez-vous avec l'un de nos représentants dès aujourd'hui. Les locaux de McLendon Robotics se situent dans l'antre de Minerve, le cœur de la technologie de Rapture. Il y a des anges à l'intérieur. De la dent. Tu seras aussi léger qu'une plume, crois-moi. Joli ange, jolis cheveux, ses cheveux. J'appuie. Besoin de deux gars.
C'est bientôt l'heure d'aller au lit. Salut, matériel, très croisé. La cachette est tout près, ma souris. Je somme. Merci. C'est pas vrai. La serrure magnétique de la porte est toujours activée. Elle est régulée par les résistances branchées à ce relais. Si tu réussis à les déconnecter, l'aimant est désactivé et la porte s'ouvre. Il y a un plasmide pour ça, le trou noir. D'après les archives du penseur, le superviseur de l'entrepôt des archives Aéropresto avait un plasmide trou noir avec lui. Mais réussir à entrer dans l'entrepôt, ça ne sera pas une mince affaire. Eh oh, les chiffres, ça ne bouge pas comme ça. La porte des archives ne fonctionne plus. Tu devrais pouvoir trouver un arc électrique dans les ateliers de McClendon Robotics. Vos possessions vous définissent. Ne méritent-elles pas d'être protégées ? Les archives Aéropresto représentent pour vous le choix le plus sécurisé. N'oubliez pas, les archives Aéropresto dans l'antre de Minerve. Qui a laissé ça? Pourquoi ?
démon. Non. Je t'entends. Impossible. Voici quelque chose qui devrait te surprendre. S'est formé dans mon esprit. Il y est resté longtemps, et puis je me suis mis à penser à Alan et son test d'intelligence pour les machines. Je me souviens avoir souri à l'idée de le prendre en défaut en construisant une machine digne de Turing lui-même. Ça lui aurait coupé la chic au vieux. Et puis, tout d'un coup, j'ai compris que je ne cherchais pas du tout à ressusciter Alan. C'est à Pearl que je pensais. Le processeur de raisonnement indépendant du penseur fonctionne depuis plusieurs mois. Les scores aux tests d'intelligence standardisés sont en hausse constante. Test quotidien de la voix de synthèse. Bonjour, penseur, comment vas-tu? Plutôt bien. Je souhaite reprendre notre dernier sujet de conversation, Pearl Porter. Ah, ma défunte épouse. Oui, je pourrais t'en parler pendant des heures. J'ai beaucoup de vieux enregistrements de nous deux. On pourrait les écouter si tu veux. Très bien. Début de la saisie des données relatives à Pearl Porter. Figure-toi que j'allais te le proposer, l'ami. Yeah!
Ils sont là-dedans, Monsieur P. C'est là-bas. Bienvenue à la farandole des prix. Là où les anges tombent, les roses poussent très très bien. Oh, ils volent les biens de la société. Au volard ! Arrête de me faire perdre mon temps. Oh. Ah. Ah. Des petites sœurs robotisées. Mais oui, Monsieur Ryan, bien entendu. On va le prendre, ce contrat, bien sûr. Mais oui, nous...
Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tous tes gestes sont prédits par une machine? Les nombres savent déjà ce qui va se passer. En te disant ça, est-ce que j'affecte le résultat? Je ne me fais pas trop d'illusions. L'âge d'or. Tu le fais exprès. C'est un drôle de problème. Grossier, Persona. Quelque chose ne résiste pas en toi. Le penseur, pourquoi? Rapture Central Computing, c'est le meilleur choix pour les besoins informatiques de votre société. Et oui, le penseur réfléchit même pour Ryan Industries.
penseur et son équation parfaite ont prévu le moindre de tes mouvements, Sigma. Il savait que tu serais là, il sait où tu iras ensuite, et il sait que... tu vas... échouer. Wall ne pense plus qu'à son équation prophétique. Le penseur peut faire beaucoup, mais prédire le futur... ça, non. Les expériences génétiques l'ont rendu fou. En ce qui me concerne, Wall peut bien pourrir ici. Nous allons faire une copie du penseur et l'emporter avec nous à la surface. Le saviez-vous? Monsieur? Le penseur calcule l'équivalent de 12 000 encyclopédies chaque jour. Le penseur travaille dur pour Rapture. C'est bien la programmation que vous vouliez. Il n'y a pas d'erreur. C'est ce que vous m'avez demandé.
de me faufiler dans leur conduit d'aération. Arrête de tout garder pour toi. Un bon coup d'arc électrique, et tu devrais pouvoir entrer dans les... Cher Docteur Lamb, j'ai reçu aujourd'hui l'invitation pour votre petit groupe. Je vais vous répondre sous la forme d'un pari. Je parie que vous avez plus besoin de Rapture Central Computing que ce que j'ai besoin de vos élucubrations métaphysiques. Je suis un scientifique, pas un... Oh, je ne sais même pas ce que vous êtes, à dire vrai. Restez à l'écart de l'antre de Minerve et je ferai en sorte que cette ville ne s'arrête pas totalement. Qu'est-ce que vous en dites ? Le penseur a bien remarqué ton nouveau jouet. Un pétard lancé devant les yeux d'un dieu. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Non ! C'est pour toi ! Tu n'es pas le bienvenu.
j'ai commencé à tester une nouvelle approche pour ce problème de maladie de la dent. La dent a une mémoire et la méthode utilise la capacité de la dent à se souvenir de ses configurations cellulaires passées pour inverser chacune des mutations génétiques du patient. Il suffirait d'une dose pour que le patient retrouve sa forme d'origine. Ce n'est qu'une théorie à l'heure actuelle. Le nombre de recombinaisons cellulaires, même pour un seul sujet de test, est astronomique. Et je ne peux pas calculer ça toute seule. Mais j'ai appris qu'une sorte de calculateur se cachait quelque part dans la ville, bien plus puissant que toutes les machines de la surface. Si je pouvais m'en servir, alors peut-être que... On en parle beaucoup à Rapture. Un homme d'affaires m'a demandé un jour pourquoi je ne jouais pas avec les plasmides pour m'améliorer. C'est stupide. Je lui ai dit d'abord que j'étais déjà le meilleur. Et ensuite à Rapture, c'est le travail qui prime sur l'individu. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas développé un plasmide bon sens. Saisie d'un message audio dans la base de données du penseur. Sujet, Pearl Porter. Début de l'enregistrement. Plus près maintenant, dans le micro. Je ne sais pas quoi dire, Milton. Bonjour, je suis Madame Pearl Porter. Voilà, comme ça. Et j'enregistre ce message avec mon génie de mari, que j'aime à la folie. Et j'ai vraiment hâte de découvrir Londres. Alors, tu vois, ce n'était pas sorcier. Tu seras bien contente de pouvoir réécouter ça quand on sera vieux.
Oubliez ma... Vous savez, moi je fais que mon boulot. Et tous ces binoclars se comportent vraiment comme de drôles de zèbres. Monsieur Ryan doit garder un œil sur ce que certains éléments subversifs font circuler aux archives. Un point, c'est tout. Ces communistes croient vraiment que les bandits vont être sympas et envoyer leur plan au Conseil Central dans un joli paquet cadeau. Avec Monsieur Ryan, soit vous êtes avec lui, soit vous êtes contre lui. C'est comme ça. Bienvenue à la farandole des prix. Le penseur sait ce que tu vas faire de ça. Et ça ne lui plaît pas. C'est
Mais qu'est-ce que c'est? Petite diablesse! Personne ne fait de mal à lui! Où tu es passé? Prenez, monsieur P! Te vois toujours! Calculer mon coup! Ça y est, j'ai presque fini. Tu vas m'écouter, je te dis. Je suis. Les anges ne vivent pas, alors nous non plus. Il s'est mort maintenant! Passe-toi comme un homme! Oh. Et voilà, tu viens, monsieur P. Je dis à toutes mes copines que tu es le meilleur, monsieur P. Ils sont là-dedans, monsieur P. C'est là-bas. La machine a prédit le moindre de tes actes, jusqu'à ce que tu atteignes le noyau du penseur. L'équation va prendre fin! Je ne laisserai pas une grossière erreur ruiner le programme! Tu sais, maman. Alors, qui a de la dent dans sa poche? Joli ange, jolis cheveux, cinq cheveux. Sois une gentille petite. Sors de ta cachette. J'en ai pas. Venez, monsieur P. Je t'aurai. Je ne te lâche pas. Ça. Mais laisse pas m'attraper, monsieur P. Arrête. Moi ça tout de suite. Tu fais exprès. J'extrais ce qu'il me faut. Ça y est, j'ai presque fini. Tu peux être sûr que tu seras puni. Essaye de cacher de l'avant. Il y a pas ici.
Tu m'emmènes aussi à la maison ? Youpi ! Votre colis arrive à l'heure par tube pneumatique. Quand vous trouvez l'endroit de vos rêves, suivez-le. Quand tout marche exactement comme prévu. Le bon
Lance-moi ça, l'ami. Une fois le trou noir par-dessus le mur, il aspirera tout. Voilà, on progresse. On devrait bientôt pouvoir faire sortir le code du penseur de rapture. Prends l'ascenseur pour descendre vers le service de l'exploitation.